Donc, pour réaliser ce pain, nous avons besoin de 500 g de farine, de 12 g de levure, de 7 g de sel et de 7 g de sucre, 250 ml d'eau et 20 g d'huile. Donc, dans un premier temps, nous allons prendre la cuve, y mettre la farine, désolée, j'en mets un petit peu partout. Donc dans le verre, il y a le sucre, le sel et la levure dans un petit peu d'eau chaude pour que la levure, en fait, moi, elle est congelée. Donc elle se décongèle et que ça soit plus facile à manier. Donc avec la cuillère, on remue pour qu'elle se dissoude. Voilà. Ça me semble correct. Donc on va mettre ça dans la cuve où il y a la farine. Nous allons rajouter l'eau. Puis l'huile. Voilà. Donc voilà, déjà la préparation est faite. Donc je vous rejoins dans quelques secondes à la machine à pain. Donc me voici à la machine à pain. Donc voilà, la cuve est dedans avec tous les ingrédients. Je vais refermer le couvercle. Et sur l'écran, donc moi je vais choisir le pain normal. Donc c'est celui-ci. Donc c'est bien le 1. Je vais choisir la couleur du pain. Donc moi ça va être moyen. Donc le poids, si c'est un 700 ou un 900, malheureusement moi c'est un 500 grammes. Donc je vais faire 700. Donc ça me met 2h53. Et je fais démarrer. Donc voilà. La pâte se pétrit. On la laisse pétrir. Après elle va se reposer, elle va se repétrir. Et dans 2h53, le pain sera prêt. Donc là, d'ici là, on va laisser faire tout ça. Je vous rejoins tout à l'heure pour le pain fini. Donc voilà, me revoici 2h53 plus tard. Et regardez, le pain est beau et bien cuit. Voilà, donc je vais le prendre et le démouler et je reviens. Donc voilà, le pain est prêt à démouler. Donc je le retourne sur un plateau, je tape et il est démoulé. Je vais le retourner, voilà. Je prends un couteau. Je vais le couper. Voilà le pain. On retire le mélangeur. Voilà. Et voilà. Un beau pain, bien cuit et bien moelleux. Voilà.